Sonia n'a pas été sourde à l'appel du président du FASO qui a invité les Burkinabés à manifester leur compassion à l'endroit du pays face à cette crise sanitaire internationale qui est très éprouvante pour notre pays. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là avec un lot de dons pour la police de l'aéroport et la mairie de l'arrondissement 1. Il est composé de l'armée, de cache-nez, de gel hydroalcoolique, de savon et de produits alimentaires. Nous espérons que ce modeste geste contribuera à ralentir un tant soit peu l'évolution de cette pandémie dans notre pays. Profitons de votre micro pour inviter toutes les autres entreprises citoyennes à emboîter le pas, puisque c'est ensemble qu'on va pouvoir combattre cette maladie. Par le contexte marqué par cette pandémie, et vu également que les agents de police sont exposés au niveau des carrefours, voilà, il est normal que les policiers se protègent, voilà, afin d'être à l'abri et continuer à assurer la sécurité de la population. Parce que l'actualité n'attend pas, parce que chaque minute compte, nous l'avons conçue pour vous, minute.bf. Restez au cœur de l'information minute après minute sur www.minute.bf. Journal d'information continue, accessible partout et en tout temps. Minute.bf vous fournit des informations fiables et professionnelles. Minute.bf, c'est toute l'actualité du Burkina et du reste du monde en un clic. Minute.bf, l'actualité en continu. Contact 25 43 27 28 67 32 67 67. Info@minute.bf.